Grande sœur Chanel K, je t'embrasse très très fort, merci à toi. Il faut savoir interpeller, il faut interpeller nos élus de terrain, dont nos maires, nos présidents de région, nos députés, nos sénateurs. Il faut savoir interpeller l'État, les autorités de l'État, afin de régler, de prendre rapidement en charge ces questions qui peuvent déboucher sur d'autres situations qu'on peut tous déplorer. Donc mes amis, on va parler du Guémon et on parlera aussi de la visite du Premier ministre dans le Guémon et dans le Cavalli. On parlera des difficultés qu'il y a dans le Guémon. Je ne dirais pas le Cavalli, parce que dans le Cavalli, ils sont structurés, ils sont organisés de ce côté-là. Ils se préparent, ils sont très... ils sont rassemblés pour accueillir le Premier ministre dans le Cavalli. Le souci se pose au niveau du Guémon. Pourquoi ça ne va pas dans le Guémon? Pourquoi nos élus ne coordonnent pas ensemble leurs démarches, leurs idées? Pourquoi nos élus ne communiquent pas entre eux? Pourquoi dans le Guémon, nos élus sont divisés sur l'essentiel? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des belles lurettes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des belles lurettes. Depuis la proclamation des indépendances des États africains et de la Côte d'Ivoire, depuis la naissance de la République de Côte d'Ivoire, dans le Guémon, il y a toujours eu un souci d'ego des hommes, malheureusement. Oui, d'ego des hommes, d'ego de nos responsables qui sont en charge de penser, d'orienter les populations. Il y a toujours eu ces soucis, ce qui a toujours retardé le développement dans cette zone forestière qui produit la moitié de la richesse du pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer que le Guémon, le Cavalli, l'ouest de la Côte d'Ivoire sont deux régions sœurs qui produisent plus la richesse, 50% de la richesse du pays. Le cacao dont tout le monde en raffole, le chocolat dont tout le monde en raffole, dont on décrit les bienfaits et que tout le monde a envie, est produit dans cette région. Mais c'est la région qui est plus en retard en matière d'infrastructure, en matière de développement. Ce souci, nous allons parler de ce souci ensemble. On va donner la parole à certains élus qui souhaiteraient intervenir. Il n'y a pas de choix. Les élus sont libres d'intervenir. Il y a tous les élus de cette localité en mon téléphone personnel. Ils peuvent m'appeler en WhatsApp. Ma ligne, elle reste ouverte. Ceux qui souhaiteraient intervenir, je vais prendre deux ou trois intervenants à ce sujet. Ceux qui souhaiteraient intervenir, qui voulaient appeler directement, peuvent appeler sur ma ligne 07 55 06 66 65. Idem WhatsApp. Ça sert de WhatsApp comme une ligne normale. Donc, je vais juste écrire cette ligne en bas du commentaire. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, vous pouvez appeler directement sur le numéro 07 55 06 66 65. Pour ceux qui souhaiteraient appeler, voilà. Le temps que nos amis se connectent, on va partir en musique, écouter une très bonne musique qui vient de cette région, qui vient de l'ouest qui vient, une musique superbe, une musique dansante qui signifie beaucoup. Cette chanson veut dire construisez, rassemblez-vous autour de l'essentiel pour rebâtir, pour reconstruire vos villages. Le développement, c'est la reconstruction. Donc ce chanteur Baoudé Zéa interpelle les populations du Guémon et du Cavalli, interpelle les élus du Guémon et du Cavalli, interpelle les cadres du Guémon et du Cavalli de se mettre ensemble, de se rassembler pour rebâtir, pour reconstruire une zone qui a été dévastée durant ces dernières années de guerre, de crise. Merci, merci mes amis, merci à vous tous. Merci à vous tous qui me suivez. Anaïs, oula ma soeur, je t'embrasse très très fort.
Lia Ferrari, merci à toi. Merci à vous tous. Aboulaye Sako, merci. Cette chanson signifie beaucoup et elle dit tout à la fois. C'est une mélodie, c'est dansant, mais c'est profond. C'est un message fort. Traoré Zouki, salut à toi. C'est très profond. La chanson dit, rassemblons-nous sur l'essentiel. Le rassemblement sur l'essentiel. Mettons-nous ensemble sur le commun. Laissons nos querelles individuelles. Venons construire ensemble nos villages qui ont brûlé. Venons reconstruire, rebâtir tout ce qui a été détruit. Oublions nos ressentis personnels. La guerre a fait du mal à chacun, dans chaque famille. La guerre a laissé des orphelins dans chaque famille. La guerre a laissé des blessés dans chaque famille. La guerre a laissé des handicapés dans chaque famille. Chacun pleure ses morts. Mais au-delà de nos pleurs, mettons-nous ensemble. Venons bâtir ensemble nos villages. Venons construire ensemble nos maisons. Venons construire ensemble nos communes. Venons reconstruire ensemble nos départements. Venons construire ensemble nos régions. Venons bâtir ensemble nos projets de vie. Venons reconstruire ensemble le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est de ça cette chanson parle. Donc, elle est dansante, mais elle est émouvante. Il y a beaucoup d'émotions dans cette chanson. Elle en dit beaucoup. Mes amis, merci d'être là. Merci à vous tous. Merci à Alassane Kone, merci à toi. Siloué, merci. Mike, merci. J'ai reçu un message de un de nos frères qui est du côté de Ottawa. Je vais le lire. Bonjour, Madame Gouza. Je vous suis depuis Ottawa, Canada, et je vous encourage de continuer. De continuer à répondre à ces individus qui se disent politiciens alors qu'ils ne sont rien d'autre que des plaisantins. J'aimerais être informé de tes directs pour y participer. Merci. Merci à notre frère du côté d'Ottawa. Envoie-moi un SMS avec ton nom, je l'enregistre et je t'appelle en WhatsApp directement. Si tu souhaites intervenir, je t'appelle en WhatsApp pour que tu puisses intervenir. Mes amis, je voudrais qu'on parle d'un sujet très important. Mais avant de parler de ce sujet, j'ai eu des échanges avec nos frères, des frères, sur cette actualité. Et je souhaiterais aussi leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent parler. Je pense qu'il est important de donner la parole aux uns aux autres. Il est important de laisser les gens s'exprimer parfois. Il est important d'écouter ce qu'ils ont à dire. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais c'est important aussi d'écouter ce que l'autre a à dire. L'écoute nous permet de dialoguer. Félix Zalé, merci. Guillaume Hamon, bonjour. Soum, salut à toi. L'actualité, il s'agit de la visite du Premier ministre, donc de l'État, du chef du gouvernement dans nos deux régions, c'est-à-dire dans le Guémo et dans le Cavalier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dans son agenda, a inscrit qu'il souhaiterait, dans son agenda, il est inscrit que le Premier ministre passera par le Guémo avant d'arriver dans le Cavalier. Le Cavalier où la ministre Anne Louloutin, qui est présidente des régions, fait son investiture. Et à son investiture, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est le parrain de son investiture dans le Cavalier. Donc, c'est une visite dans le Cavalier. Le Premier ministre est le parrain de la ministre Anne Louloutin, présidente des régions du Cavalier. C'était planifié depuis bien longtemps. C'était prévu depuis bien longtemps. Le Premier ministre devrait aller dans le Cavalier pour
investir la présidente de région et qui est aussi responsable cadre RHDP du côté du Cavalier. Par la suite, le premier ministre, qui est, je ne le dis pas, je le dis avec beaucoup d'affection et beaucoup de respect et beaucoup de respect suite à nos alliances, le premier ministre est aussi notre Djotié. Qui dit le Cavalier, dit le Guémant. Le Guémant est la sœur du Cavalier. Le Cavalier est la sœur du Guémant. Donc ces deux régions, sœurs, ce sont des jumelles. Le premier ministre dit, je ne peux pas aller dans le Cavalier et dépasser le Guémant. Je vais m'arrêter pour saluer aussi mes Djontiers qui sont dans le Guémant. Mes amis, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous qui depuis longtemps m'accompagnez au quotidien, à chaque intervention, j'interpelle les autorités, j'interpelle l'État, j'interpelle le président, j'interpelle le premier ministre et je leur prie, je leur demande, pensez à nous. Nous dans le Guémant. Parce que c'est une zone fragile. C'est une zone blessée. C'est une zone qui se sent à l'écart. Ayez un regard sur nous. J'ai toujours interpellé les autorités ivoiriennes à ce sujet. Donc moi, Gouzanaounou, vivant en France, quand j'apprends depuis des années, je n'étais pas le président de la République, je n'étais pas le premier ministre, venez nous visiter, ne nous laissez pas. Nous sommes là, venez nous voir. Quand j'apprends que le premier ministre va passer dans le Guémant, mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer l'émotion, ce que je ressens. C'est au-delà de l'émotion, je ressens une satisfaction personnelle. Hein? Et je dis, enfin, ça veut dire, on est quand même écouté. Ça veut dire, on n'est pas ignoré. Tant que ça veut dire, c'est possible. Ça veut dire, c'est possible. Je suis autant heureuse que beaucoup de nos concitoyens dans la région du Guémont. Je ne dis pas que je suis la plus heureuse, mais je peux vous dire que je fais partie des plus heureux de savoir que le Premier ministre arrive chez nous dans le Guémont. Mes amis, je vais donner la parole à deux de nos frères avec lesquels j'ai échangé publiquement sur les réseaux sociaux à ce sujet. Mais il se trouve que dans notre région, dans le Guémont, nos élus ne coordonnent pas leurs actions pour recevoir le Premier ministre. Je suis heureuse et en colère à la fois. C'est une colère justifiée. Ma colère, elle est une colère saine. Je suis heureuse et en colère à la fois. Comment pendant des années, ça fait 20 ans, 20 ans que la région du Guémont est lésée, elle est abandonnée. 20 ans, ce n'est pas un an, ni 5 ans, ni 10 ans, ni 9 ans. 20 ans. 20 ans que la région du Guémont est lésée. Nous crions à l'aide, au secours. Nous implorons, nous appelons, nous interpellons. Quand les autorités, quand l'État décide, inscrit dans son agenda de venir nous visiter, je pense que tous les élus de cette région, la population qui souffre réellement, parce qu'il y a ceux qui souffrent. Et puis il y a ceux qui ne souffrent pas. Ceux qui ne souffrent pas, ils s'en foutent. Mais ceux qui souffrent, ils ne s'en foutent pas. Ils ont envie de rencontrer le Premier ministre pour porter leurs difficultés, pour expliquer leurs souffrances, pour expliquer leurs besoins. Quand tu souffres là, tu viens expliquer tes problèmes. Mais quand tu ne viens pas expliquer tes problèmes, c'est que tu ne souffres pas. Mais nous là, nous souffrons. Nos parents souffrent. On veut expliquer nos difficultés. On veut porter notre doléance. Donc, on ne peut que se réjouir de la visite du Premier ministre dans le Guémont. Nous devons nous mobiliser en tant que citoyens.
Les élus de cette région doivent se mettre ensemble, se rassembler pour coordonner l'arrivée. Comment recevoir le Premier ministre dans cette région? Mais malheureusement, nous voyons sur les réseaux sociaux autre chose. Chacun tire la couverture comme il peut. Chacun veut que le Premier ministre vienne manger chez lui à la maison. Comme si le Premier ministre vous a dit qu'il avait faim. Avant d'arriver, je vais donner la parole à deux de nos frères. Un frère qui est conseiller dans la région, donc c'est très important aussi d'avoir le regard de nos élus. Parce que le problème, il y a beaucoup de manipulations. Hein. On ne sait pas qui dit quoi, on ne sait pas qui dit pas quoi. Chacun raconte ce qu'il veut raconter, chacun amène son groupe, il raconte ce qu'il veut raconter. On est assis, on mélange les populations, on nous trompe, on nous roule, on nous ressort, on nous met dans une farine, on ressort, on nous grille comme gnomi, on nous replonge dans la farine. On est assis, on ne comprend rien. Il faut éclairer les populations. Il faut éclairer les populations. Et je pense qu'il est de notre devoir, en tant que leader d'opinion, en tant que ceux qui sont en responsabilité, en tant qu'élu, en tant que citoyen, d'expliquer, d'informer les populations sur ce qui va être fait, sur ce qui ne va pas être fait, sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible. Mais si nous-mêmes, on n'explique pas aux populations, les populations ont un ressenti qui est normal. Parce qu'ils sont perdus, ils sont paumés. Ils se disent, bon, peut-être que le Premier ministre n'a plus envie de nous voir. C'est un ressenti qui est normal. Quand une population n'est pas informée de ce qui se passe réellement, elle peut interpréter les choses comme elle voit. Alors que parfois, ce n'est pas comme tu vois que la vérité, ou bien ce n'est pas ce qu'on t'a dit que la vérité. Donc nous, on se doit d'apporter l'information juste aux populations pour ne pas tromper les populations dans, je ne dis pas une annulation, mais il risque. Il y a des risques que la visite soit reportée. La visite soit reportée à une date ultérieure parce que tous nos élus ne coordonnent pas leurs actions. Ils ne se parlent pas entre eux. Chacun parle pas avec son camarade. Et puis on est assis dedans comme ça, dans un gros bazar. On est dans un bazar, hein, on ne sait pas. Hein. Panier à crabe, on est assis dedans. Donc ça, il faut dire la vérité aux populations. Mes amis, je vais appeler. Je vais appeler notre frère s'il est là, s'il n'est pas occupé. Je lui avais dit que j'allais l'appeler. S'il n'est pas occupé, je vais l'appeler pour lui donner la parole. Ensuite, on va appeler notre frère du côté de Ottawa. S'il peut prendre Ottawa, Canada. Allô? Oui. Je suis en ligne en direct. Est-ce que je te mets en ligne en direct? D'accord. OK. D'accord, OK. Très bien. OK. D'accord. Donc, je vais continuer. Non, mais je vais essayer de l'appeler. Je l'appelle aussi, s'il est disponible. Et puis, on en parle. Ça marche. Merci. Merci. D'accord, très bien. OK, d'accord. Ça marche. OK, à tout à l'heure. Oui, ça marche. À tout, oui. Notre frère n'a pas encore sa pause, donc il est au travail, il n'a pas sa pause. C'est ça aussi hein, les réalités ici en France. Bah, on n'a pas la pause, on ne peut pas non plus. Donc il travaille, il n'a pas encore sa pause. Je vais essayer de rajouter notre frère du côté de Ottawa. Ottawa, sinon je continue, hein. Ottawa, je continue notre analyse. On va analyser les choses. Voilà, on va analyser les choses. J'essaie d'appeler. Je pense qu'il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir avoir tout le monde sur ces questions-là. Il y a un vrai problème et il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise, il faut qu'on dise clairement ce qui ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux et moi, je voulais vraiment attirer l'attention des uns et des autres. Merci, ma soeur. Voilà. Des uns et des autres sur ces questions-là.
Voilà, j'appelle monsieur Guy Vovo, s'il est là, c'est très bien, s'il veut. Oui, Neka, effectivement, malheureusement, nos autorités, nos élus dans la région ne se parlent pas. Ils sont tous distants les uns les autres. Allô? Ah, bon, je pense qu'il est. Il est occupé aussi. Il est occupé aussi. Donc, on va continuer le live. Bon, comme ça, tu entends. Répondeur. Je vais te vraiment appeler. Tu es sur le répondeur. Allô? Allô? Je t'ai appelé, tu es sur le répondeur. Donc, si tu as mon message, appelle-moi. C'est Gouzak Naounou. Tu m'appelles sur le numéro. Tu l'as. Voilà, je continue. Mes frères, on va continuer notre live, parler de ce sujet. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il est très important de parler de ce sujet-là. Il faut pas. Il y a trop de non-dits, il y a trop de dits. L'autre a dit, l'autre a fait. Et puis, on n'a pas la vérité sur Ottawa. Très bien. J'essaie d'appeler Ottawa, s'il est là. S'il veut intervenir, notre frère. S'il veut intervenir, je l'appelle. S'il veut intervenir, je l'appelle. Allô? Ah, s'il veut intervenir. Je suis en ligne, s'il veut intervenir du côté du Canada. Eh oui, comédie pour perdre des... Cela, c'est vraiment dommage. J'essaie d'appeler du côté d'Ottawa et bon, très bien, on va continuer. On va continuer, mes amis. Continuons. Ça me permet d'écouter aussi le live et puis de continuer à faire mes courses parce que je n'ai pas encore terminé mes courses. Donc, vous voyez. Bon, s'ils sont là, ils vont appeler. Continuons. S'ils sont là, ils vont appeler. Mes amis, je voudrais que nous tous, on ait l'information juste et l'information exacte. La ministre Anne Ouloto est ministre dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Elle est cadre de parti. Elle est présidente des régions, de la région du Cavali. Je l'ai dit tout à l'heure, je dis la région du Cavali et la région du Guémon sont des régions jumelles. C'est des sœurs issues du même sein. Non! C'est des sœurs issues du même sein. Non! C'est des régions sœurs. C'était une seule région avant. C'était une seule région avant. Et il y a eu le découpage, c'est passé à deux régions. Mais c'est les mêmes familles. C'est les mêmes familles. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de la colonisation. Hein. On va découper. Ta tante est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté. Ton papa est de l'autre côté, son petit frère est de l'autre côté. C'est ça le découpage. Donc, le Cavali et le Guémon sont des régions sœurs. C'est des jumelles. La ministre Anne Ouloto avait son investiture en tant que présidente des régions du Cavali. Son investiture est prévue depuis très longtemps. Elle préparait son investiture. Le parrain de son investiture, là, c'est le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, c'était prévu. C'était prévu. Mes amis, nous tous, on lit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais il faudrait qu'on apporte l'information exacte, l'information juste. Faut pas, on va déformer les choses et chacun va chercher à tirer ici, à accuser Anne Ouloto ou ne pas accuser Anne Ouloto. Je le dis clairement, moi je veux qu'on m'apporte des arguments soutenus et un démenti. C'est ce que moi je dis. Je ne dis pas que je sais mieux, hein? Mais c'est ce que tu as vu, ce que tu sais là, c'est ce que tu dis. Faut pas dire ce que tu ne sais pas. Faut pas inventer aussi pour dire, pour te rendre intéressant. Ça, c'est pas bon. L'investiture de la ministre Anne Ouloto était prévue depuis très longtemps.
Le premier ministre est le parrain de la ministre Anne Bloto. Je l'ai dit et je le redis. Alors, dans la région du Guémon, les élus du Guémon, là, ils n'ont jamais invité, ils se sont jamais mis ensemble pour dire on invite l'État chez nous. Ils se sont jamais mis ensemble pour dire on invite le Premier ministre chez nous. Ce n'est pas une invitation des élus des régions. Ce n'est pas une invitation des députés ou des maires ou du président des régions. C'est le choix du Premier ministre. Il dit, je vais dans le Cavalier. Je vais m'arrêter dans le Guémon pour dire bonjour à mes djotiers qui sont dans le Guémon. Je vais m'arrêter dans le Guémon pour m'acquérir des difficultés des populations dans le Guémon. Je vais m'arrêter dans le Guémon pour écouter les femmes du Guémon. Je vais m'arrêter dans le Guémon pour écouter les jeunes du Guémon. Est-ce que ça là, c'est mauvais? Vous qui m'écoutez là, est-ce que ça là, c'est mauvais? C'est pas ce que nous-mêmes nous souhaitons. C'est pas ce qu'on a souhaité. C'est pas ce qu'on a voulu. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette démarche? Mes amis, vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, Chantoulé, je t'embrasse ma princesse. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans cette démarche? La chance qu'on a le premier ministre, le chef du gouvernement qui vient dans notre région là, pour une fois, on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas parler d'une seule voix, on est incapable de faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans le Guémon là? Il y a quoi là-bas? Vous avez quel problème même là-bas? Ou bien c'est sorcellerie en plein midi vous faites là-bas? Ça cause à les gens souffrent. On ne sait pas ce qui se passe dans le Guémon. Le premier ministre, on a la chance. Il vient chez nous où on a la possibilité de porter notre doléance, de venir expliquer la situation des jeunes dans le Guémon là. Plus de 25 000 jeunes n'ont pas de pièce d'identité, n'ont pas d'extrait de naissance dans le Guémon. Pourtant, nous avons des élus. Nous avons des députés. Dans le Guémon, là, plus de 25 000 jeunes n'ont pas d'extrait de naissance. Pourtant, ils sont majeurs. La crise, là, l'administration a brûlé. Les documents ont brûlé dans les mairies. Rien n'existe. Les parents même n'ont pas de pièces d'identité. Donc, quand l'enfant naît, là, tu ne peux pas le déclarer à la mairie. Les enfants naissent. Ils n'ont pas d'extrait de naissance. Voilà les vraies difficultés de cette région. Si ton enfant n'a pas d'extrait de naissance, il peut faire pièce d'identité. S'il n'a pas pièce d'identité, est-ce qu'il peut s'inscrire à l'école? Tu peux l'inscrire à l'école, il ne peut pas aller à l'école. Parce qu'il n'a pas pièce d'identité. Ces problèmes-là, vous pensez que ce n'est pas important? Pour que vous les élus, je dis tous les élus du Guémon, sans exception, je ne laisse pas un dedans. Vous êtes tous responsables du malheur du Guémon. Tous les élus du Guémon, sans exception. Vous n'êtes pas capables de vous asseoir, de vous rassembler, de penser commun, de réfléchir à l'intérêt général de cette localité. Chacun est campé sur son moi, et puis moi, je. On est quand vous nommez ministre. On vous nomme ministre pour quoi? Vous apportez quoi même à qui peut vous nommer ministre? On crie ici, on monte ici, on alerte les autorités, on appelle au secours. Pour une fois, on a la chance de rencontrer le premier ministre, de lui donner notre doléance, de parler des préoccupations des populations, de parler de la difficulté des femmes. Les femmes n'ont pas de financement. Toutes les femmes ne bénéficient même pas de l'accompagnement de l'État. Elles ne sont même pas informées. Parce que c'est aux élus là de venir informer les populations sur leurs droits. Les élus, eux, ils se battent pour eux. Chacun se bat pour lui. Ils s'en foutent même des populations.
Vous n'êtes pas capable de parler ensemble. Mais si tu es maire, tu ne parles pas avec le président des régions. Le président des régions ne parle pas avec toi. Si le président des régions ne parle pas avec le député ne parle pas avec lui. Vous allez coordonner quelle action? Vous allez recevoir le premier ministre comment? Vous allez recevoir comment? C'est l'État qui se déplace. C'est ce chef du gouvernement. C'est l'autorité de l'État qui se déplace. C'est une coordination. Vous pensez que c'est votre camarade de classe, il se lève, il vient chez vous, il va se soir pour manger. Il vous a dit qu'il avait... Amadou Gon Koulibaly vous a dit qu'il avait faim. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait faim? Il venait pour manger chez vous. Coordonnez, rassemblez-vous, parlez d'une seule voix. C'est quoi la priorité de la région? C'est quoi les besoins de cette région? Vous allez vous asseoir ensemble, président des régions, tous les députés des départements, tous les maires de communes, vous devez vous asseoir autour d'une table, poser le vrai problème, diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il manque? Nos populations ont besoin de quoi? Oui, voilà ce que nos populations ont besoin. Listez ça. Quand le premier ministre arrive, vous êtes aligné pour dire la région a des représentants. Mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Chacun va torpiller l'autre. Chacun s'en va chez le premier ministre. Chacun s'en va chez son conseiller. Chacun s'en va chez son collaborateur. Chacun torpille son camarade. Tout cela. Vous... C'est pourquoi? C'est pourquoi tout cela? Ça fait bordel. Ça fait bazar. À cause de vous, là, la zone est bazar. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Vous n'êtes pas capable de vous rassembler sur l'essentiel. Chacun se bat pour sa petite personne. Sans même se soucier des difficultés de population. C'est quoi votre problème? Des élus qui ne pensent pas à l'intérêt général. Des élus qui n'ont même pas le souci du devoir public. Mais on va où est ça? On va où est ça? Et c'est vous vous cachez derrière là. Chacun va les raconter. Ah, donc vous dites, ah, c'est à cause de Anne Houloto que le premier ministre ne vient plus dans notre région. Mais vous mentez. C'est à cause de votre comportement qui est bordélique. C'est à cause de votre comportement qui est bazar. On n'amène pas l'État dans un bazar. L'État là, c'est l'ordre. Vous n'êtes pas ordonné. L'État, c'est l'ordre. On dit l'ordre républicain. On n'a pas dit désordre républicain. On va où? Si vous n'êtes pas capable vous-même de vous parler entre vous, qui parle avec qui? Qui est capable de dire qui parle avec qui? Ils sont en parlant, eux tous. Personne ne parle avec son camarade dans notre région, dans le Guémon là. Ils sont tous en parlant là-bas. On ne sait pas pourquoi. Ils ne se parlent pas entre eux. Le maire ne parle pas avec le député. Le député ne parle pas avec le maire. Le sénateur ne parle pas avec le président des régions. Le président des régions ne parle pas avec d'autres députés. On va où? Allô? Oui, bonjour. Bien, je suis en live. C'est pour intervenir? D'accord. D'accord, très bien. C'est à Marseille. Très bien, je vous donne la parole. Oui. Ivoirien. Merci. Et pour toute la jeunesse ivoirienne, franchement, vous êtes une dame qui mérite plus et franchement, moi, je vous encourage, quoi. Merci beaucoup, Ismaël. Vous avez tout notre soutien, on est tous derrière vous. Merci. Pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci, merci, Inch'Allah, merci. Je n'ai pas trop de grandes choses à dire, mais c'est ce que j'aimerais vous dire, parce que vous êtes pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher frère. On garde le lien, ça marche. Merci beaucoup et je salue tous les Ivoiriens, tous les Africains du côté de Marseille. Merci. C'est l'OM, c'est ça? Merci. De rien. Bon, Paris salue l'OM alors.
Ouais. Je viens souvent parler, mais c'est pas tout le temps. C'est souvent, je viens à l'ambassade pour prendre des passeports, mais bon. D'accord. Je suis là. Le jour où j'ai le temps, le jour où je monte à Paris, je ferai tout possible pour vous contacter. C'est parfait. Je suis à l'écoute. On verra pour échanger un peu. Merci beaucoup, mon frère. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci. C'est notre frère du côté de Marseille. Donc, je salue tous les Africains, tous les Ivoiriens du côté de Marseille. Voyez, nous, à Paris, on dit bonjour à Marseille, hein, même si c'est l'OM et PS, PSG, c'est ça? Voilà, donc, on salue Marseille. Donc, pour vous dire, mes amis, c'est dommage ce qui se passe. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Le premier ministre vient chez nous. Nous, là, les élus des régions doivent appeler tous les citoyens. On a combien de départements? Il y a Kubli. On a un député à Kubli. Youté Innocent. Il y a Fakobli. On a un député à Fakobli. Evariste Miambli. À Bangolo. On a un député à Bangolo. On a deux députés à Bangolo. Il y a Taï Thierry. Il y a Dos Simon. On a deux députés du côté. Même deux députés du côté. Trois même du côté. Trois députés du côté de Diokwe. On a tous les députés là. Ça veut dire la région là. Les départements là. On a des députés. On les appelle les représentants. Des administrés. C'est eux qui représentent les populations de leur département. Les communes là, Fakobli, Kubli, Bangolo, Diokwe, on a des maires, donc on a quatre maires. On a des députés et on a des maires. Les communes et les départements sont déterminés, sont définis par la région, ça s'appelle la région. La région, là, on dit région du Guémon, là. Les députés et les maires, là, à la tête, là, c'est le président des régions. C'est ça, la République. Mais le président de la République, parce qu'il y a une question qui m'a été posée. On m'a dit, Gouza, le président, tu vas dire quoi? Le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Pourquoi il ne s'occupe pas des habitants du Guémon? Je suis en train de vous expliquer, mes amis. Un instant. Oui, allô, monsieur. Bonjour. Bonjour, oui. Je suis en live au sujet de notre région du Guémon suite à nos conversations. Donc, je voulais vous donner la parole si vous souhaitez prendre la parole. Oui, oui, ça va très bien, monsieur CI. Très bien. Il y a longtemps que je suis là. Je suis rentré depuis longtemps. Là, je suis en live, donc je vais vous donner la parole. Je trouve intéressant l'échange qu'on a eu. Je trouve important que aussi chacun apporte son regard et dit son ressenti. C'est important. Le ressenti des citoyens, des populations, je pense qu'il faudra aussi que l'État, les autorités en Côte d'Ivoire, entendre aussi le ressenti des ressortissants du Guémon et puissent aussi eux-mêmes prendre, poser un regard. Il n'y a pas que les élus, tout à fait, comme on a dit depuis hier, on en discute, il n'y a pas que les élus, il y a aussi les populations qui doivent être écoutées. Mais malheureusement, je l'ai dit, tu le sais, je ne te le cache pas, nos élus ne sont pas rassemblés, ils ne sont pas unis, ils ne parlent pas d'une seule voix. La division, l'égocentrisme, bah, bousille un peu l'espoir des populations. Est-ce que je t'ouvre? Je donne la parole. Allô, je te donne la parole en direct, hein, si tu veux. Je te donne la parole là maintenant. Hein. Très bien, ok. Donc, mes amis, on écoute C.I. Antoine, comme on dit chez nous, Guy Bobo. C'est à toi, C.I. Oui. Effectivement, notre échange hier supportait sur la visite du Premier ministre oui. Dans la région de Cavalli et mm-hmm. du Guémon. Mm-hmm. Et selon les bruits qui couraient,
Il semblerait que le Premier ministre arrivait dans la région de l'île du Mans juste pour une seule journée et le reste, il passerait le reste de sa visite dans le Caves. Et nous n'avons pas trouvé vraiment que cela soit juste, puisque le Premier ministre étant la représentation de l'État, même si au-delà de la décentralisation qui confie les responsabilités de la collectivité, le Premier ministre est en droit de s'imprégner par lui-même, de se rendre compte par lui-même des réalités du pays, et puis du pays profond. Donc, il devait à la fois visiter Fagobli, Kubli, Bangolo et Djokwe, pour se rendre compte par lui-même des différentes des souffrances et puis bon, des réalités de notre région, sachant que quand même la région du Diémont, c'est l'un des poumons de l'économie de notre pays. Donc voilà notre un peu notre déception. Notre sollicitation, notre doléance. C'est pas forcément que les élus et les cadres le demandent, mais c'est l'ensemble de la population, des populations du Diémont qui le demandent. Voilà un peu hier sur quoi nous étions portés dans la discussion. Maintenant, il y a le Cavalli. Vous avez signalé également que le Cavalli a un leader qui est en l'occurrence Madame la ministre Anne Ouletto, qui malgré les divergences dans le Cavalli, ils arrivent à s'accorder sur l'essentiel. Tout à fait. Est-ce que je dis, voilà, si ça passe sur l'essentiel, puisque nous sommes tous des ouais, il n'y a pas de raison qu'elle, qui a une position privilégiée, puisse pas, on appelle instruit, parce que le plus souvent dit le bon exemple, il s'instruit ou bien il peut être inculqué. Donc elle peut montrer le chemin de la cohésion sociale de nos et de s'impliquer réellement dans l'entente de nos cadres et de nos élus du Diémont. Nous sommes tous des ouais. Donc cet exemple qui vaille la peine dans le Diémont, dans le Cavalli, on peut aussi le porter aussi dans le Diémont. Nous sommes tous c'est un seul espace, hein, c'est un espace ouais. L'avantage que nous avons aujourd'hui deux régions. Donc c'est une valeur ajoutée aux besoins de la population parce que l'État a senti le besoin nécessaire de nous diviser en deux pour apporter plus de budget alloué à nos sollicitations. Tout à fait. En tout cas, c'est Antoine, c'est vrai, merci beaucoup. Merci de m'avoir rappelé déjà, ce qui n'était pas évident. Merci. Tu sais, tu es mon frère. On échange très ouvertement sur ces questions-là. Il n'y a pas de tabou entre nous. Je suis tout à fait d'accord. Au-delà de la politique, hein, vous savez, moi, j'ai une politique. Hein, je suis président de World Leader de France. Ma volonté, c'est de promouvoir l'excellence du peuple ouais dans toute sa globalité, dans tous les compartiments de la société, réhabiliter nos cultures et puis aussi avoir une force économique, donc l'autonomisation de notre communauté. Et ça, c'est le combat, que l'ambition, la mission que nous avons à développer notre communauté. Très bien. Donc je disais que c'est important que le Premier ministre aille ait les mêmes délais de visite du Diémont et du Cavalli. Voilà un peu. Et que la société civile en tant que telle, a aussi doit lever la voix pour demander que le Diémont fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que nos élus et nos cadres sont divisés que le ministre va dire non, ben, comme ils sont divisés, j'ai pas le temps d'aller dans la région. Non, alors, justement, c'est sur ça. Et le ministre doit au-delà. Parce que le plus souvent aussi, nos élus, les cadres peuvent donner une image par conformisme de position. Donc, ils tentent de ne pas relater réellement ce qui se passe. Donc, l'État était dans son droit régalien de régaler et de s'imprégner de la réalité. Tout à fait. De la réalité. Okay. Voilà. Et puis, le dernier mot, c'est que moi, en tant que président vendeur, vous savez, on dit que tu ne fais pas la politique, elle te fera. Je ne stigmatise aucun fils ou un de faire la politique, qu'il soit dans le RDN, qu'il soit dans le PDFI, dans le FPI. L'essentiel, quelle la valeur ajoutée qu'il tirera de son parti pour apporter au sein de la communauté. Donc je ne suis pas là dans une stigmatisation ou une indexation. Tout fils est libre parce que nous ne souhaitons plus être pris en otage par un parti politique. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une diversité par la diversité politique. Nous sommes républicains. Voilà, la diversité politique c'est une richesse. On ne peut pas stigmatiser quelqu'un d'être RSDP, d'être PDCI, d'être FPI. C'est ensemble, parce que nous tous, on ne peut pas dans un seul parti. Et cette politique-là, c'est de faire en sorte que chaque fils soit au cœur des décisions à chaque fois qu'un parti arrivera au pouvoir. Voilà ma politique, moi.
Merci beaucoup, c'est Antoine. Donc, j'ai noté, attends, je voulais apporter aussi, je dis pas, je suis pas dans le secret des dieux, hein, loin de là, mais oui, non, je suis pas dans le secret des dieux, mais je voudrais apporter deux éléments, je pense que, qui nous a échappé dans la visite du Premier ministre dans le Guémont. S'agissant du Cavalier, tu as dit quelque chose de très important et que la ministre Anne Olotoo est leader dans le Cavalier, elle est ministre d'un gouvernement, elle est présidente de la région du Cavalier, et qu'il n'y a pas de raison que le ministre fasse 2 jours soit dans le Cavalier et qu'il passe une journée dans le Guémont. Je voudrais apporter une précision à ce sujet. La ministre Anne Olotoo a son investiture qui était prévue depuis très longtemps et belle lurette. Donc, la visite du Premier ministre dans le Guémont fait suite à sa venue dans le Cavalier, parce qu'il est le parrain de l'investiture de la ministre Anne Olotoo en tant que présidente des régions dans le Cavalier. Le ministre, dans son agenda, il a un créneau. Il dit, tiens, j'ai une journée de libre. Étant donné que je vais dans le Cavalier, je vais passer dire bonjour à mes frères et sœurs du côté du Guémont. Donc, ce n'est pas deux choses qu'on peut. Non. Il faut essayer de dissocier les jours. Il ne faut pas penser que le fait que le Premier ministre fasse 2 jours, 48 heures ou 72 heures dans le Cavalier, pourquoi il ne fait pas les mêmes 72 heures dans le Guémont? Ce n'est pas la concurrence, hein, parce que c'était prévu depuis très longtemps. Je pense que l'investiture de la ministre Anne Blouton, en tant que présidente de région dans le Cavalier, nous apporte aussi une ouverture, sur le sens que, bon, on va profiter pour rencontrer aussi le Premier ministre. Le Premier ministre, il fait rentrer dans son agenda qui est très chargé, la journée, de passer une journée dans le Guémont pour s'entretenir avec les élus et les populations du Guémont. Maintenant, oui, non, non, je n'ai pas terminé. Oui, donc, je pense que le Premier ministre vienne, quand il vient dans le Guémont, ce n'est pas sous invitation des élus du Guémont ni des populations du Guémont. C'est une visite qu'il a planifiée dans son agenda. Ce n'est pas sur invitation. Si maintenant, nous avons des représentants des départements, les populations du Guémont, les représentants qui normalement doivent être là pour s'entretenir avec leur population, parler, échanger et construire avec eux, que nous souhaiterons inviter le Premier ministre dans notre région, en ce moment, c'est une invitation. Mais là, ce n'est pas une invitation. Est-ce que c'est nous qui avons invité le Premier ministre dans le Guémont? Je ne crois pas. Ce n'est pas nous. Donc, on peut descendre une visite de courtoisie et fraternelle. Oui. Je t'appelle Yougan toujours, hein, Bah, je suis Yougan. Yougan, t'as pas de choix. Voilà. Oui. Je voulais rappeler une chose. Oui. Évidemment, telle était la configuration de la visite du Premier ministre dans les deux régions, dans ce cas-là, qu'il aille complètement voilà, dans le cavalier, et puis faire l'investiture de la présidente, qui est aussi ministre, et voilà, partir. Parce que n'oublions pas que depuis le mois de juin, l'investiture aussi de notre président de région du Guémont a Oui. été reportée à plusieurs reprises, parce qu'il en est le parrain. Et finalement, le Premier ministre n'est pas venu, c'est Ah pas non, présenté. le Premier ministre n'est pas le parrain de l'investiture du président des régions. C'était sur le haut patronage. Le parrain, c'était Issa et... Si, non, oui, il est, ouais, Ah, bah je oui. le rappelais. Mais sa Oui. présence était effective, devait être effective. Je le rappelle, c'est à cause de sa présence que l'investiture a été reportée au moins 3-4 fois. Et ce jour-là, il n'est pas venu, il s'est fait représenter par les ministres Issa Non, non, Kouchatoum non, 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 et non. Moussa Alors, Kimani. non, Oui, non, ça, c'est non. un premier point. Maintenant, Je pense qu'il y a un amalgame c'est qui est notre fait. Premier ministre, c'est Il notre y a un président de amalgame région. qui est fait. Il y a un Non, ce n'est amalgame pas qui un est fait. amalgame. Ce n'est pas un Si, si, amalgame. si, il y a un Voilà, amalgame qui est ce n'est fait. pas un amalgame. C'est une Ouais. information précise que nous avons. Le Premier ministre devait être à Ce l'investiture n'est pas un de Mme. communiqué du ministère Ce n'est de pas un la primature. communiqué, mais je dis ce que nous savons dans la région du Guémont, l'investiture du docteur Zaïdo a été reportée à plusieurs fois pour question de calendrier du Premier ministre. Et au final, le Premier ministre n'est pas venu, c'est pas représenté. Aujourd'hui, s'il y a une visite officielle dans les deux régions, moi je pense que c'était l'occasion rêvée pour le Premier ministre quand même d'accorder un minimum de temps au Guémont. Mais Que c'est ce que nous j'ai attendons. dit. Donc, on dit. Mais attends. Voilà, venir, faire une investiture de la présidente Non. de région, et puis
non, ce n'est pas. Attends, alors, Antoine Seyi, tu sais, le premier ministre était sous le haut parrainage du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et sous le parrainage, moi, cette question, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce... Non, attends, je t'ai écouté. Non, mais attends. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans les secrets de Dieu. Non, non. Non, 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 écoute, non, c'est Antoine. C'est Antoine. Je t'ai écouté. Je pense que si on s'écoute mutuellement, on n'est pas là pour se convaincre, hein. Mais aussi, ceux qui nous écoutent aussi. Non, mais. Vous l'avez dit au début, je suis d'accord. Mais j'essaie de rectifier. En tant qu'il voit rien, en tant que simple citoyen, que le ministre doit venir aujourd'hui chez nous s'imprégner de nos réalités. Oui. Parce que le Gaumont est un poumon de l'économie de la Côte d'Ivoire. L'émergence passe par le Gaumont. Parce que nous avons un sous-office qui est inexploité. C'est Antoine. Donc, oui. Je t'ai écouté, je veux juste rectifier. Parce que je veux rectifier, je dis la venue en tant que parrain, tu sais, sous le haut parrainage du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je reviens vraiment et je précise, tu sais, ce qui est dangereux, il faudrait que nos élus disent les choses clairement. Sans les déformer, je reprends, sous le haut parrainage du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sur le parrainage, ça a été reporté, je pense que tu dois savoir beaucoup, je sais beaucoup, puisque je suis au cœur de cette affaire, je sais ce qui est dedans et je sais ce qui a été dit là-dedans. Mais je ne vais pas rentrer, là on est vraiment en direct. Je pense que je vais clore ce volet. Voilà. Maintenant, je veux dire, je vais revenir sur la visite du Premier ministre, si tu me permets. Voilà, si tu me permets. Oui, c'est d'ailleurs qui a tout l'honneur de donner la possibilité à. Mais je suis d'accord avec c'est Antoine. Je vais revenir sur la visite du Premier ministre. Je vais vraiment revenir dessus. Quand le Premier ministre arrive dans le Gaumont. Très bien. Maintenant, on se rappelle. Ça marche. On se rappelle. Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi. Je veux revenir sur la visite du Premier ministre dans le Gaumont. Quand le Premier ministre doit venir dans le Gaumont, il a son calendrier. Il vient pour une journée dans le Gaumont. Mais il faudrait que tous les élus du Gaumont s'accordent pour que le Premier ministre passe la journée dans le Gaumont. Quand le président de la République va dans le Mzi, c'est une région, mais vous n'attendez pas des élus et des populations de ces régions de dire je veux que le président vienne dans mon village, l'autre dit je veux que le président vienne dans mon département, ou l'autre dit je veux que le président vienne dans ma commune. Et je pense que c'est là qu'on est en train de fausser le vrai débat et on ne va pas porter les préoccupations des populations au cœur de nos discussions. Et c'est ce qui est important. Bon, je vois. Si il y a quelqu'un qui veut intervenir, je ne sais pas. Si je vois Théi Basile, si tu veux intervenir, est-ce que tu es OK? Les basses sortes du dialogue, c'est... Ah, bah oui, on est d'accord. Qui veut intervenir? Si c'est Théi Basile qui veut intervenir. OK. Théi Basile, si tu veux intervenir, je peux te rappeler. Je ne sais pas si tu es là, si tu veux intervenir. Donc, je veux revenir encore sur le sujet. Je pense qu'il est important de ne pas faire d'amalgame. Quand le Premier ministre met dans son agenda, je passe une journée dans le Gaumont, je pense que les préoccupations des populations doivent être écrites, formulées, transmises par nos élus au Premier ministre. Parce qu'il faut respecter au moins l'ordre des choses. Le Premier ministre ne vient pas pour aller manger chez Paul à Quibli.
Manger chez Pierre à Fakobli. Manger chez Jean à Bangolo. Manger chez Marie à Tawake. Manger chez Gay à Diokwe. Il faut qu'on soit clair. Il vient dans notre région. Formulons nos doléances. Écrivons nos besoins. Remettons avec l'accompagnement, la coordination de nos élus. Remettons nos besoins et nos doléances au Premier ministre. Quand le Premier ministre va dans le Kavali, on n'a pas entendu des élus du Kavali dire que je veux que le Premier ministre passe à Taï. Mais dans le Kavali, il y a aussi des départements. Il y a Djiglo, il y a Toulepleu, il y a Taï, il y a Brouleki. Mais à Brouleki, il y a un député, il y a un maire. À Taï, il y a un député, il y a un maire. À Toulepleu, il y a un député, il y a un maire. Tous les élus et cadres de cette localité coordonnent leurs actions. Ils coordonnent les actions pour recevoir l'autorité chez eux. Ils coordonnent les actions pour recevoir le Premier ministre chez eux. Le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas que toi, tu sois député, que le Premier ministre vienne manger la sauce graine de ta femme. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, là, ce n'est pas que toi, tu es député, tu veux que le Premier ministre vienne manger le poulet de ta femme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que le Premier ministre doit venir manger le poulet de ta femme à Bangolo. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Quels sont les besoins de vos populations? Il y a M. Jules Jacqueline Sawit qui veut intervenir. Mais donnez-moi votre numéro, je vous rappelle dessus parce que je ne sais pas comment vous pouvez intervenir. J'ai mis mon numéro là. Si vous voulez appeler, Bamba Moussa Digouza, il faut prendre le devant des choses. Merci Bamba Moussa. Merci. Il y a notre frère qui veut intervenir. Il y a le numéro de téléphone qui est là. Appelez au 06, je vous donne le 07. Le numéro de téléphone, je l'ai mis. Si vous voulez intervenir, cher frère, je vous mets le numéro de téléphone. Il faut intervenir. Si vous voulez intervenir, appelez. Voyez, il ne faut pas qu'on fasse de la politique politicienne. Le Premier ministre a visite là. Ce n'est pas une visite politique. Ce n'est pas une visite politique. Le Premier ministre, le chef du gouvernement là, c'est la République. C'est l'État. Ce n'est pas un militant politique ou un cadre politique ou une visite politique. C'est une visite républicaine. C'est une visite d'État. C'est l'État qui se déplace. Donc quand l'État se déplace là, c'est une organisation. C'est le préfet de région. C'est le ministère de l'Intérieur. On coordonne les choses. Comme à la sécurité, on coordonne tout ça. Le Premier ministre ne vient pas pour se promener de maison en maison pour aller manger chez chacun. Il ne vous a pas dit qu'il avait faim. Nos besoins là, ce n'est pas de préparer plaie pour donner à Amadou Gon Koulibaly. Nos besoins là, ce n'est pas de préparer sauce graine pour qu'Amadou Gon Koulibaly mange. Nos besoins là, ce n'est pas de préparer Djumblé pour qu'il mange. Nos besoins là, ce n'est pas de faire Zré pour qu'il mange. Nos besoins là, ce n'est pas de faire Zao pour qu'il mange, Zao Baha pour qu'il mange. Nos besoins là, la formation des jeunes. Nos besoins là, nos jeunes n'ont pas d'extrait de naissance. Nos besoins là, il n'y a pas de routes qui vont dans les villages. C'est difficile, le déplacement des populations. Nos besoins là. Les jeunes n'ont pas d'extrait de naissance. Les parents n'ont pas d'extrait de naissance. Nos besoins là. Les parents n'ont pas les moyens de mettre les enfants à l'école. Nos besoins là. Il n'y a pas de centre de formation dans notre région. Nos besoins là. Il n'y a pas une usine de transformation dans notre région. Nos besoins là. Il faut un financement pour toutes les femmes de la région du Guémon. Pour l'entrepreneuriat des femmes. Voilà les sujets qui doivent nous préoccuper. Ce n'est pas que le Premier ministre va venir dans chez Gueye pour manger blé, aller chez Blaye pour aller manger Zrin, aller chez Makula pour aller manger Zaoba. Ce n'est pas ça nos préoccupations. Donc, nous sommes en train de... Par notre agissement, on met la région en retard. Et je le dis, je le redis. Nos élus ne sont désordonnés. Ils ne sont pas organisés. On ne peut pas avoir des élus qui ne s'accordent pas sur l'essentiel. Attendez. C'est-à-dire que le Premier ministre quitte Abidjan, la capitale, il arrive, il dit, bon, aujourd'hui, là, je m'en vais à Kibli, parce que comme il y a le député qui est là-bas, je m'en vais, il dit bonjour. Il retourne à Abidjan.
Bon, aujourd'hui, là, je vais aller à Fakobli parce qu'il y a le député qui est là-bas, je lui dis bonjour pour ne pas qu'il se fâche. Il retourne à Abidjan. Aujourd'hui, là, je me mets aujourd'hui à Bangolo parce qu'il y a le président des régions de Bangolo qui va lui dire bonjour. Il s'en va à Abidjan. Aujourd'hui, là, je me mets à Dioukoué parce que le maire de Dioukoué a besoin de moi. Non, mais attendez. Vous ne pouvez pas coordonner tout ça, là. En une journée, là, de nos besoins, là, on peut les exprimer. En une journée, tu peux exprimer tes besoins. En une journée, tu peux coordonner tes besoins et exprimer tes besoins. Il faut qu'on soit organisé. Le Guémon manque d'organisation. Et ça, tant qu'on reste dans la logique, on ne va pas faire avancer les préoccupations. On ne va pas faire bouger les lignes. Ça va rester depuis 20 ans les détails. Ça va rester comme ça. Il y a un jeune frère qui vient intervenir. Je vous mets le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez appeler. Il fait WhatsApp aussi pour pouvoir intervenir. Pour pouvoir intervenir, je vous mets ça. Vous pouvez appeler pour pouvoir intervenir. Ou quand je finis, j'essaie de vous prendre un inbox. Je ne sais pas si vous êtes en inbox, je peux vous appeler en inbox. Vous voyez? Et ce sont ces questions-là. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Qui m'écrit en inbox? Je vous donne un exemple. Sous le pouvoir des Gbagbo, sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, pendant 10 ans. Oui, allô? Ah oui, la grandesse. Bon, ça va. Tu veux intervenir? Ah, je te laisse la parole. Ok. Je salue tout le monde. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu fais pour ta nation. Merci. Pour ton pays d'origine. Merci. Et ça, tu fais la fierté de tous les Ivoiriens. Et moi, tu fais surtout moi particulièrement ma fierté. Merci, grandesse. Bon. Quand tu as commencé, tu as dit quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Mm-hmm. C'est-à-dire que comment... Ces élus-là, vraiment, ils sont vraiment... C'est de la sorcellerie pure qu'ils sont en train de faire. Ils sont égoïstes. Ils n'aiment pas leur population. Comment des gens qui sont nés, sachant qu'en Afrique, malheureusement, nos enfants, nos jeunes filles font des enfants très tôt. Ça veut dire que depuis 20 ans, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 36 ans dans le démon qui n'ont pas de frais de naissance, qui n'ont pas de pièce d'identité. Non pas. Qui ont eu des enfants et qui sont peut-être aussi même déjà, qui viennent d'être aussi grand-père ou grand-mère. Tout à fait. C'est-à-dire les deux, trois générations-là, ils n'ont pas de pièce d'identité de naissance. Non pas. Il y a des élections qui arrivent dans quelques mois. Le ministre vous dit qu'il arrive et vous les élus, parce que vous êtes manipulés par plusieurs politiciens de différents partis politiques, vous mettez vos intérêts et vous ne pensez pas à un peuple déjà qui a déjà souffert de la crise post-électorale 2010. Ça, moi, c'est ce que j'appelle la pure sorcellerie. Parce que un peuple, c'est pas vous les élus. Vous les élus, vous êtes là pour servir l'État. L'État, c'est quoi? C'est le peuple. Tout à fait. Donc, quand on vous élue, c'est pour servir ceux qui sont à côté de vous. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils ne seront jamais à la hauteur des pays développés. Ici, en Europe, un citoyen dit bonjour facilement à son élu. Aujourd'hui, voilà le président, l'ancien président Chirac qui est décédé. N'importe qui, même moi-même, je vais aller m'incliner. Mais pour dire que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Est-ce qu'ils pensent ils pensent au peuple? Comment des gens peuvent être adultes et ne même pas avoir un extrait de naissance? Alors que c'est avec un extrait de naissance que tout commence. Tout à fait. C'est la question que moi je leur pose. Est-ce que eux, là, quand ils ont été élus, là, ils n'ont pas de pièce d'identité? Ah ah! Bonne question. Ils n'ont pas un extrait de naissance? Est-ce qu'ils n'ont pas loyer? Ah, donc leur population n'a qu'à vivre dans la forêt, mais dans les maisons en bambou. Oui, oui, voilà. Et puis, il faut pas qu'ils vont manger. C'est très méchant. C'est très méchant. Quand tu as abordé cette partie-là, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est méchant. Ça fait mal au cœur. C'est très méchant. Parce que c'est vraiment, on voit que c'est encore, ils sont encore divisés, ils sont encore manipulés. Et puis, c'est malheureux parce que chacun touche son argent à gauche, à droite. Ils prennent de l'argent à gauche, à droite. Et ils oublient le peuple. Ils mettent pas le peuple devant. Mais, messieurs, dames, vous avez été élus pour ça. Vous avez été élus pour vous.
à fait. Vous querelle. Tout à fait. Est-ce qu'on vous a dit, comme tu l'as dit, je vais appuyer, est-ce que quand le Premier ministre dit qu'il se déplace pour venir vous voir là, il vient pour aller chez Pierre et Paul déjà pour manger pour photo? Franchement, c'est, en fait, la préoccupation à ce niveau-là. Hein. Si c'est le Premier ministre ne se déplaçait pas encore, c'est pour dire qu'il ne se déplace pas. Pourtant, eux, ils ont reçu des personnes qui ne sont même pas. Qui ne sont absolument rien. Qui ne sont pas comment appelle, au pouvoir. Qui vont rien apporter à leur population. Je n'ai pas cité de nom, pour ne pas qu'on dise que je fais la division encore. Ils ont bien reçu des personnes qui ne sont pas au pouvoir. Ah, bon, donc, ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre? Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, donc, c'est ce qui tue la région. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils tuent la région. Ils tuent la région. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire si ce n'est pas de la vraie société? Vous recevez des gens qui ne sont pas au pouvoir, qui viennent danser, qui vous donnent des sacs de riz, et vous ne recevez pas les personnes qui sont au pouvoir. Mais s'il faut répéter la partie là encore, même pardon. Voilà. Vous recevez des gens qui viennent danser avec vous, qui viennent vous donner des sacs de riz, vous dansez avec eux, vous mangez, vous faites la fête, et vous ne recevez pas les personnes. Vous savez ce que c'est le Premier ministre? Après le Premier ministre, ça se passe bien sur le président qui vient vous voir. Mais bien sûr! Le Premier ministre vient après, c'est le président qui arrive, c'est pas autre chose, il n'y a pas autre chose. Vous ne recevez pas les personnes qui sont au pouvoir, vous recevez des gens qui ne sont pas au pouvoir, qui vous ont massacré, et vous ne recevez pas les gens qui sont au pouvoir. Mais c'est quel palais vous voulez, puis c'est quel palais qui ne finit pas, alors que c'est vous-même qui êtes en maman. Voilà. Hein? Vous n'avez pas pitié de vous-même, hein? Beaucoup d'entre vous sont sortis, sont à Abidjanville, ils font la manche. Vous avez fait la vidéo la dernière fois, elle pleurait devant vos parents qui ne sont pas contents d'être à Abidjan. Ils sont plus là-bas, mais ils sont sortis. Ils sont à Abidjan. Quand on dit que la population ivoirienne en Côte d'Ivoire, à Abidjanville, est surpeuplée là, vous croyez que ça fait plaisir à des gens qui sont à Abidjan? C'est parce que vous ne les mettez pas à l'aise. C'est ce que vous êtes en train de faire, votre sorcellerie. Ils ne s'occupent pas de leurs préoccupations, c'est tout. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont à Abidjan, on les interroge, ils aimeraient bien rentrer, mais vous ne les mettez pas à l'aise sur tous les plans. Comment est-ce qu'à la naissance, pour aller faire sa pièce d'identité? C'est avec la pièce d'identité là que tu vas commencer à être auprès de quelqu'un. Parce que pour que la personne t'embauche, il ne sait pas si tu vas le voler. Donc il va photocopier ta pièce d'identité. Même en Europe, c'est ce qu'on fait. On photocopie toutes tes pièces d'identité, tes trucs d'abord avant de t'embaucher. Donc comment voulez-vous que vos enfants puissent travailler? Et ils sont là, ils sont en train de se supplier, ils enceintent les femmes, les filles sont enceintes. Ils sont livrés. Tu arrives aujourd'hui dans la région, tu arrives à Dioukoué, tu vas à Bangoulou. Les jeunes sont livrés à la drogue. Puisqu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont pas de pièce d'identité. Ils ne peuvent pas faire des formations. Le guichet emploi jeune là, ils ne peuvent même pas s'inscrire parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Donc, ils deviennent maintenant les passeurs des dealers de drogue. Sous le président Jacques Chirac, on a vu ici où il y avait dessous toute l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ces députés-là. J'ai dit, il faut dissoudre même. Il faut toutes ces personnes de Bangoulou, de l'Ouest, là, qui sont en train de se faire des mégagas entre eux, alors qu'ils touchent des salaires et puis ils font rien. Là. Ils doivent être mis à l'écart pour qu'on remette des personnes à nouveau avant que les élections commencent. Merci. Hein. Voilà, ça, c'est une belle proposition. Merci. Ce que j'avais à dire, je vais me coiffer. Merci. Merci, grandesse. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta belle participation. Merci Chanelka. Ça, vraiment, elle l'a tout résumé. La difficulté à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je vais l'appeler. Donc, je pense qu'il a son numéro d'Abidjan. Je vais essayer de l'appeler. Je n'ai pas... J'ai son nom. Je vous appelle, hein, jeune frère, parce qu'il a laissé son numéro. Donc, je vais l'enregistrer pour l'appeler en WhatsApp. Je vais enregistrer son numéro pour l'appeler en WhatsApp. Donc, restez en ligne. Hein. J'ai pris votre numéro. C'est le 46-65. Je vous appelle. 46-68-48-02. Je vais vous enregistrer pour vous appeler en WhatsApp. Voilà. Bon, je mets Abidjan. Je vous appelle. Hein. Donc, restez en ligne. Restez en ligne, je vous appelle. Je vous appelle en WhatsApp. Voyez la difficulté à ce niveau-là. La difficulté à ce niveau-là. Et Chanelka a tout dit. On a des jeunes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Les guichets emploient jeunes. Les mairies ont installé les guichets emploient jeunes dans les mairies. Mais comment les jeunes vont aller s'inscrire? Ils n'ont pas de pièce d'identité. Et ce que Chanelka a dit est vrai. On se mobilise pour des bêtises, au fait.
On ne se mobilise pas pour l'essentiel. Et c'est toujours dans le Guémon qu'il y a ce bazar-là. C'est pour ça que je m'adresse aujourd'hui à mes parents du Guémon. Parce que je pleure trop pour vous. Je crie pour vous. Je t'appelle pour vous. Mais quand vous déconnez aussi là, je dois m'asseoir pour vous dire, pour vous tirer les oreilles. Vous exagérez. Pour des conneries, on est premier à courir. On tape la poitrine man, pour des bêtises. Mais quand il suffit de se rassembler pour l'essentiel, là, on se fait les guerres inutiles. Même si moi, aujourd'hui, on dit à Alassane Ouattara, viens dans le Guémon pour 2 heures. Mobilisons-nous pour 2 heures. Même en 5 minutes, tu peux présenter tes doléances. Moi, je suis comme l'oiseau, là. Hein. Comment on appelle l'oiseau qui vient éteindre l'incendie avec des gouttes à gouttes? Non, il ne faut pas rire, chérie. L'oiseau là, pardon, aide-moi, j'ai plus, son nom m'échappe. Je suis bloqué. Le petit oiseau là, Fab de la Fontaine. Fab de la Fontaine. Fab de la Fontaine. Il y a le petit oiseau. Il y a feu de brousse. Tout le monde dit, on attend les pompiers, ils vont faire les grands mouvements. Le petit oiseau là, il vient, il prend l'eau avec bec, il met goutte, et puis il éteint l'incendie. Même si le premier ministre vient pour une demi-journée dans ma région, on va mobiliser les femmes. Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont vos doléances? Les jeunes, quels sont vos besoins? En une demi-journée, on peut exprimer nos besoins. On a besoin de faire parler de ça pour dire, il faut que le premier ministre vienne dans mon village. Il va... C'est votre camarade? C'est votre camarade de classe? On se mobilise pour des bêtises. Quand c'est pour venir danser, c'est comment on est premier dans cette région-là. Quand c'est pour danser bêtise, ça, là, on est premier. Là, on sait vite se mobiliser. Des conneries qui nous mettent en retard, là. On sait se mobiliser pour ça. Les bêtises, là, on sait se mobiliser pour ça. Mais quand on dit l'État arrive, quand un chef du gouvernement vient de ta région-là, il fait des annonces. Ce qui est important, là, quand tu présentes tes doléances là, c'est les annonces qu'il va faire là. C'est là où c'est important. C'est là les décisions se prennent. Quand il finit, il arrive à Abidjan, en conseil des ministres, il dit, je suis passé dans le Guémon. Mais les populations de là-bas, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps. Il prend, il dépose sur le bureau du président de la République. Le président étudie avec lui. Il met caché, bah. Les semaines qui suivent là, vous avez ce que vous avez besoin dans votre région. Mais ça là, vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça dans le Guémon là-bas. Vous n'avez pas compris ça. C'est Amadou Gokoulibaly qui a fait 2 jours à Kublik, dans le Kavali qui est important. Ou c'est venir présenter votre doléance qui est important. Bon, Bagbo même qui était avant, là, il faisait combien de jours dans le Guémon pour vous donner? Vous voyez, c'est ça, quoi, toutes ces bêtises-là, quoi, on est dedans. Gbagbo a fait 10 ans de pouvoir. La région n'a pas bénéficié d'un iota. Il y a dit 10 ans de pouvoir de M. Laurent Gbagbo, là. À Diokoué, même là. Même 500 francs CFA, là. Diokoué n'a jamais bénéficié de ça, hein. Pendant les 10 années de Laurent Gbagbo, Diokoué n'a jamais bénéficié de 500 francs CFA. Gbagbo ne descend même pas là. Il s'en va à mort. C'est à cause des mêmes bêtises là. Quand quelqu'un doit venir, il se bagarre entre eux. Non, il doit dormir chez moi. Il doit manger chez moi. Vous faites des trucs légers. Vous faites des légèretés. C'est ce qui est important pour eux. Des légèretés. Qu'il vient dormir chez toi ou il ne dort pas chez toi. Ou... C'est ça la préoccupation des populations? Est-ce que c'est ça le besoin des populations? Parce qu'il faut qu'on sensibilise nos populations pour ça. Est-ce que c'est ça le besoin des populations? Qu'ils viennent dormir chez toi. C'est ton camarade qui vient manger chez toi. Toi, tu penses que les autorités boivent de l'eau n'importe où et n'importe comment? Tout est organisé. Si le premier ministre vient dans le Guémon, là, c'est pas chez quelqu'un. Il y a le papi Tungara. Vous pensez qu'il va laisser Tungara pour venir manger chez vous? Est-ce que vous avez analysé à toutes ces choses-là même? C'est quoi même? Ou bien on doit vous apprendre les institutions, on doit vous apprendre le régalier. Vous ne connaissez pas le régalier? Le régalier là, vous ne connaissez pas? On est de vous
mobiliser, pour porter les préoccupations de notre jeune, de nos femmes, des femmes qui souffrent dans le ghetto, des jeunes qui souffrent dans le ghetto, des besoins du ghetto. On abandonne tout cela. On est dans un débat inutile. Un débat inutile qui n'apporte absolument pas de solution, qui ne construit absolument rien, mais au contraire, qui nous met encore en retard. Je dis, pendant 10 années d'éjection du pouvoir de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume, le gaiement là, on n'a rien eu, même pas 500 francs. Même école primaire, même on n'a pas construit ça là-bas. Même pas. Sauf Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Alassane Ouattara au pouvoir. Il est en train de finir. Hein? On est dans la 9e année. On est encore dans la même querelle inutile. Les bêtises, là, on est encore dedans. Au lieu de nous concentrer, de nous unir sur l'essentiel, les préoccupations des populations, il y a encore des populations, des ressortissants du Guémo qui sont au Ghana. Il y a encore des ressortissants du Guémo qui sont au Togo. Il y a encore des ressortissants du Guémo qui sont au Libéria. Il y a encore des ressortissants du Guémo qui du Ghana, du Togo, en fuite sont au Maroc. Et ils crèvent, ils souffrent, ils sont dans des prisons au Maroc. Il y a encore des ressortissants du Guémo qui sont dans des pays arabes. On voit des vidéos qui se multiplient, des jeunes filles qui sont violées, des jeunes filles qu'on oblige à coucher avec des chiens. Ça là, ce ne sont pas les préoccupations de nos élus. Ce qui les intéresse là, c'est le premier ministre qui va venir dans leur maison. C'est le premier ministre qui va venir. Bon, il faut que le premier ministre vienne à Kubli pour nous dire bonjour. Il faut que le premier ministre vienne à Fakobli pour nous dire bonjour. Il faut que le premier ministre aille à Bangolo pour manger. Il faut que le premier ministre aille à Tabaké pour boire de l'eau, pour boire Bandji. Il faut que le premier ministre aille à Djokwe pour dormir. C'est ça là qui est important. Vous êtes sûr qu'en une journée, on ne peut pas exprimer nos doléances, nos souffrances. En une journée, on ne peut pas expliquer. Vous êtes sûr de ça? Vous les hommes du Guémo là, on va faire du dégagisme. Parce qu'on en a marre simplement de vous. Parce que depuis que la République est là, depuis que la Côte d'Ivoire est République, là, c'est toujours à cause des mêmes hommes du Guémo que le Guémo est en retard. Même sous Oufouet Boigny, quand Oufouet Boigny arrive là, il est amant. À cause des mêmes bêtises. Oufouet Boigny descend directement amant à cause des mêmes bêtises. Il ne vient pas là, il descend à main. Parce que c'est toujours le tiraillement, c'est crépé. Combat de coq, c'est tout ce qui les intéresse. Combat de coq, sorcellerie, comment ils vont empoisonner leurs camarades, fétiches, ou eux, bofons, c'est tout ce qui les intéresse. On est toujours en retard. Toujours en retard. Pour une fois encore, on se mobilise. Et ce sont les femmes. C'est les femmes qui crient, qui allaitent, qui courent. Mais quand les femmes font cela, c'est toujours les hommes qui viennent nous tirer par le bas. Toujours les hommes qui nous tirent par le bas. Les femmes du Guémo là, levez-vous. Parce que le peuple ouais même là, c'est les femmes qui se tiennent debout, c'est pas les hommes en réalité. Les femmes du Guémo là, levez-vous et rassemblez-vous. Les hommes là sont en train de nous piétiner, ça suffit. Parce que vous nous fatiguez à la fin. J'appelle notre jeune frère, on va conclure. Depuis plus de 50 ans, dans le Guémo, les hommes sont à la tête, ils dirigent, mais ils n'apportent absolument rien, à part chercher femmes, boire des bêtises qui les intéressent, il n'y a pas autre chose. On est fatigué. Les femmes du Guémo, levez-vous. C'est un appel, levez-vous. Rassemblez-vous. Portez vous-même vos préoccupations et vos doléances. Parce que les hommes, là, ils ne vont rien nous apporter. Ils le démontrent tous les jours. J'appelle le jeune frère. Mon jeune frère, je l'appelle, il est en WhatsApp. Je t'appelle en WhatsApp, mais ça passe pas. Hein. Je l'appelle en WhatsApp. Vraiment, on est fatigué de ça. Vraiment fatigué de ça. J'appelle le jeune frère. Je ne sais pas si c'est lui. Je pense que c'est ça, Abidjan. C'est lui. Ok. Je vous appelle en WhatsApp. Si vous êtes là, je vous appelle.
Je vous appelle. Est-ce qu'il est là? Monsieur Souleymane, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est oui, attends. Jules Jacqueline, je vous appelle là. Hein? Je suis en train de vous appeler. Je vous appelle, ça ne répond pas. Ah, ça y est. Oui. Allô? Oui, c'est Monsieur Jules Jacqueline. Oui, bonjour, tante. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes en direct. Oui, comment allez-vous? Bah, je voudrais d'abord vous dire merci pour votre contribution. Merci. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, il faudrait que les parents du Clément cherchent à comprendre d'abord quel est le programme du Monsieur le Premier ministre dans le Cavalli avant de se plaindre. Parce que moi j'ai un peu d'information, le Premier ministre va dans le Cavalli, pourquoi? Pour quelle raison? Les actions que le Premier ministre a menées dans le Cavalli devraient déjà pousser les hommes, les parents du Guémont à formuler des doléances importantes. Parce que le Premier ministre va à tout le pleu d'abord. Lancer les travaux du bitumage de tout le pleu, ben ouais, joyeux. Les travaux du bitumage. Les travaux de bitumage. Très bien. Le Premier ministre va à tout le pleu d'abord pour lancer les travaux du bitumage de l'axe de tout le pleu, ben ouais, joyeux. Monsieur le Premier ministre finit ça, il va directement à Saïbli pour aller visiter les travaux de construction du pont, du nouveau pont sur le fleuve Cavalli. Vraiment, les travaux sont très avancés. Et à côté, il y a l'usine de traitement d'eau potable qui a été inaugurée en 2015, qui a coûté 2 milliards. Et donc, c'est après ça que monsieur le Premier ministre il va visiter les travaux de bitumage de l'axe tout le pleu. Et Brunequin, tout le pleu frontière Libéria. Ça dessus 65 km, il y a déjà 42 km de bitumé. Et donc, monsieur le Premier va rouler sur le bitume qui a été fait, de Saïbli jusqu'à Brunequin, où il va procéder à l'inauguration du commissariat de Brunequin. Super. Et donc, il finit au commissariat de Brunequin, il viendra à Guiglo. Et donc, s'il vient à Guiglo, il va y aller sur le lancement des travaux du bitume de la terre, des artères, principalement dans le Guiglo, et près de 10 km. Donc, je pense que si on a toutes ces informations, on peut regarder et puis formuler des doléances. Dans ce sens-là. Pour le bitumage de Djokwe, Bléni Mewen, Kouibli, Fakoubli, c'est des doléances. Monsieur le Premier ministre, vous venez de Cavalli, voilà ce que vous avez fait. Mais nous avons vu, nous sommes de deux régions jumelles. Ce que nous avons vu là-bas, nous souhaitons que vous faites la même chose pour nous. Moi, ce que je souhaite, c'est loin des actions politiques, et on pose le problème. Tout à fait. On a vu que dans le Cavalli, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous avez fait là-bas. Mais nous aussi, comme c'est les deux régions sont les régions jumelles. Nous sommes les jumelles, on ne peut pas donner à une jumelle et laisser l'autre. Nous aussi, on veut pour nous. Faites pour nous. Celle-ci s'est formulée dans ce sens. Parce qu'il n'y a rien, ils vont accéder. Parce qu'on ne peut pas faire pour. Si ils ne sont pas faits pour. Comment ils peuvent laisser Guimont. Mais loin vraiment de querelles politiques, je pense que c'est la meilleure solution. Parce que je me rappelle qu'en 2000, lors de l'élection du Conseil général. Oui. Les bagarres à Djokwe ont fait que il n'y a jamais eu de conseil général à Djokwe. Il y a eu la bagarre entre Eric Kaé et je sais plus. Eric et Monsieur Ba, comment il s'appelle, j'oublie un peu le nom. Et là, il n'y a pas eu de président. Non. Et là, on est en train de vivre la même chose pratiquement. Et donc, je pense qu'il serait souhaitable que les gens se mettent ensemble, mettent la balle à terre, et puis bon, formuler des doléances claires pour les populations. Tout à fait. Parce que ce que j'ai vu à Guiglo, ce qui va être fait par Monsieur le Premier ministre là-bas, c'est vraiment énorme. Au-delà même de l'aspect d'investiture de Mme la ministre, ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est plus important, il y a le bitumage de l'axe tout le pleu. Benouin, Zoyen, qui est important. Il y a le bitumage aujourd'hui de Brunequin, tout le pleu, frontière libérée, qui va désenclaver totalement tout le pleu. Tout à fait. Et donc, ils sont en train de réhabiliter Kigudo, Brunequin. Voilà, c'est des actions posées déjà. Magnifique. Et donc, quand vous avez toutes ces informations sur les actions que le commissaire Premier va poser là-bas, le plus grand commissariat de la région du Grand Ouest se trouve aujourd'hui à Brunequin. Magnifique. Qui a été construit à Brunequin. Magnifique. Et donc, si on a toutes ces informations, on peut automatiquement formuler des besoins pour la région du Guémont. On peut dire clairement que Guémont a besoin d'un escadron de gendarmerie à Djokwe. Tout à fait. On a besoin du boutique de Djokwe. Mais ouais, allez, de l'autre côté, Bambolo. Voilà, vraiment dans la tranquillité, quoi. Tout à fait. Vraiment, dans l'intelligence. Voilà,
politique. Effectivement, je pense que c'est une visite qui n'a vraiment pas rien à voir, rien de politique. Il faut que les gens s'asseyent ensemble. C'est dommage. Pour trouver une solution. Et puis même, où est le mal? Moi, je pense que Anne Loto, elle est ministre. Oui. Elle est de cavalier. Mais ça manque de quibli. Elle est quibli. Tout à fait. Tout à fait. Elle est de quibli. Sa mère est de quibli. Sont ensemble avec elle, ce qu'elle a pu faire grâce à. Elle a sa grand-mère qui est de quibli. Sa grand-mère. Sa grand-mère qui est de quibli. Elle aussi. Elle peut toujours apporter son soutien. On veut que le cadre élu de Guémon vont formuler. Voilà. Oui. N'oublions pas que M. Adama Tungara est le tonton du Premier ministre. Tout à fait. Troukoué. Tout à fait. Voilà. Et même selon des informations que j'ai, c'est ce M. Adama Tungara que le M. Premier ministre va passer, son séjour. Et donc, ça veut dire que Troukoué, même le Guémon, a tout le temps, même d'aller là. Bien sûr. Rencontrer tranquillement, M. le Premier ministre, vous lui dites bon, mais comme vous dormez chez nous, la nuit, nous sommes là. Mais quand il vient, il finit dans le cavalier, il vient chez vous. Et donc, on a tout le temps, mais vraiment loin des politiques, parce que je pense que c'est une zone qui a tellement souffert, et que cette zone-là mérite mieux, et mérite vraiment. Il faut éviter des histoires dans la région, ça n'apporte rien en fait. Ça n'apporte rien, ça retarde la région, ça retarde. Voilà, nous sommes là depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qu'on a remarquées, ça ne peut rien apporter. Et donc, moi, mon souhait, c'était vraiment un additif. Non, mais il est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites est très intéressant. On peut tout obtenir, mais dans la tranquillité. Tout à fait. On peut tout obtenir dans la tranquillité. Tout à fait. Parce que dans tous les cas, les besoins de Guémon, là, Anne Loto ne peut pas être exclue. Elle est forcément fille de... Elle fait partie du gouvernement. Voilà. Elle a été directrice de campagne du président Alassane Ouattara en 2015 dans le Guémon. Et elle a en charge des 18 montagnes. Voilà. Elle était directrice de campagne du président dans le Guémon en 2015. Donc aujourd'hui, si on dit au Premier ministre qu'elle n'est pas du Guémon, il ne vous croira pas. Parce qu'il sait qu'en 2015, elle était directrice de campagne là. Tout à fait. Vous voyez, ça pose un autre problème. Celle qui était hier directrice de campagne du président d'après là, elle était directrice de campagne aussi pour les élections au référendum. Donc du coup, quand on dit qu'elle n'est pas de là-bas, voilà, il faut faire le Guémon. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que c'est l'ego des hommes. C'est l'ego des hommes, c'est l'ego des hommes, c'est l'ego. C'est une guerre d'ego, c'est l'ego des hommes, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on dit une journée, le Premier ministre passe une journée, chacun souhaiterait que le Premier ministre vienne dans son département. Mais ce n'est pas faisable. On ne peut pas parcourir tous les départements. Ce qu'il faut retenir, si monsieur le Premier ministre vient dans le Guémon, c'est bien gagné d'avance. Parce que même une journée, même je veux. Une demi-journée, même voilà. Je veux. Même si c'est pour 4 heures, c'est pas grave. Quand tu prends son agenda, il est chargé. Au départ, c'était pour le cavalier. Merci de le préciser. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment le préciser. Guémon, par rapport aux actions, il devrait aller à tous les pleux. Voilà. Aller visiter les travaux du bitumen de l'Axe. Voilà. Le frontier libérien et lancer les travaux du bitumen de l'Axe. Je ne voulais pas rentrer dans le détail. Merci, parce qu'il faut le repréciser encore. Mon frère, il faut repréciser, pardon. Je reprécise. Il a dit que dans un premier temps, au départ, il était question que M. le Premier ministre aille simplement. Dans le cavalier. Voilà. Tout le pleu, lancer les travaux du bitumen de l'Axe, tout le pleu, et ensuite aller voir la construction du pont sur le nouveau pont sur le fleuve Cavalier. Les travaux sont très avancés. Il vient d'arriver de là-bas. Aujourd'hui, sur 65 km de route de Bloquin, deux plus frontières, fait 65 km, il y a déjà 41 km de bitume. Et donc, visiter tous ces travaux-là, venir à Bloquin. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Bloquin, le commissariat qui a été construit à Bloquin a une histoire. Donc, ce n'est même pas le Guémon, n'est même pas dans le Premier ministre. Le commissariat qui a été construit à Bloquin, c'est en 2013. En 2013, après l'attaque du village de Petit Giglo, Zilebli à la frontière libérienne, par des hommes de Oulay Tako, un milicien qui a été tué lors des échanges de tirs, et que le ministre Ahmed Bahalko, envoyé par le président de la République, a promis aux populations, au nom du président de la République, un commissariat vient le jour pour épauler la gendarmerie. Tout à fait, pour pouvoir aider. Parce que le commissariat a été construit. Donc, c'est une promesse qui vient d'être honorée. Et donc, il vient juste pour inaugurer ce commissariat qui a une histoire. Et donc, quand il finit là, il va à Giglo. Et à Giglo, il est prévu le lancement des travaux de 10 km dans les artères de la commune de Giglo. Et après, il y a une école publique qui s'appelle l'école Tandri. Je
Tari, où le premier ministre va aller voir dans quelles conditions les enfants vont à l'école. Et tout ça. Et donc, ce n'est tellement pas prévu qu'il aille dans les guillemets. Mais comme les deux régions sont des régions sœurs, des régions de jumelles, donc il ne peut pas faire autrement. Donc, quand il vient, il a décidé que ses quartiers, il prend ses quartiers à Djougoui. Le premier ministre, quand le premier ministre prend ses quartiers chez vous, c'est vous qui êtes les gagnants. Mais bien sûr. Au-delà de celui qui s'est dit dans la journée, vous avez le temps de dormir avec lui, donc de parler avec lui. Oui. Vous avez le temps de dormir avec lui et de parler avec lui, de dire la vérité, de tout ce qui existe. Vraiment loin des réseaux sociaux, loin des journaux, loin des médias. Vraiment, c'est ce que je voulais dire aux parents. Merci. Le Guémot a tellement perdu, on ne peut pas expliquer ce que le Guémot a perdu. Le Guémot a tellement perdu. On observait 20 ans de retard. Tellement perdu. 20 ans de retard. 20 ans de retard. Oui. 20 ans. Donc, à un moment donné, un autre jour, je vais vous parler plus de vraiment de ce que je sais sur le Guémot. Le Guémot a tellement perdu. Aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Et dans le Guémot, il y a des gens qui sont morts même pendant la crise, qui n'avaient rien à voir avec le président Babo Niouattara, qui ne connaissait personne. Mais ces gens-là ont été tués parce que des gens ont fait venir des gens n'importe partout. Donc pour moi, aujourd'hui, les gens ont besoin de paix. Ils ont besoin de paix. Régler tous leurs problèmes dans la paix. On peut obtenir tout dans la tranquillité, dans la quiétude. Simplement, on n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas vu M. Adama Toukara faire une déclaration. Non. Personne n'a fait de déclaration. Vous n'avez pas vu Dominique Ibrahim, qui est aussi directeur général de la geste aussi, qui est de Djougoui, faire une déclaration. Tout à fait. Mais il y a des gens, les gens peuvent se parler, mais loin de vraiment des réseaux, et puis trouver une solution. Parce que quand moi je vois, je sens qu'il y a un problème de leadership où les gens veulent dire que bon, peut-être maintenant la ministre, elle est de Cavalier. Non, il ne faut pas oublier qu'elle était directrice de campagne de Ouattara. Elle n'est pas que du Cavalier, elle est des montagnes. Elle est de 18 montagnes. Aujourd'hui, le président, il est libre de choisir aujourd'hui de dire. Mais bien sûr. Il peut reconduire le saut comme des dits de campagne dans les Guémot, ça ne changera rien. Ah, donc ça commence à bien, comme disent les Congolais. C'est ça. Ah, c'est affaire de. Ah, ben voilà, on y arrive tout doucement. Donc, on y arrive tout doucement. Parce que je n'arrive pas à comprendre que, moi aussi, la ministre Anne Oloto est au gouvernement. Je pense que si on a des doléances même à faire, on peut passer par notre soeur pour dire, grande soeur, toi qui es là-bas, là, voilà les difficultés, pardon, il faut pousser le dossier là pour. Mais non, voilà les besoins des populations, comment on peut faire pour nous orienter? Parce qu'elle est dans le dispositif. Mais je ne comprends pas. Donc, ça commence à viendre. Dites-nous ce qu'il y a. Parce qu'il y a un truc, hein. On ne comprend pas. En fait, c'est ça. C'est ça. Sa grand-mère vient de Pombly. Tout à fait. Sa grand-mère est là-bas. De Quibli. Moi, j'ai été là-bas avec elle. Tout à fait. Et donc, elle, à un moment donné, elle a. Donc, il faut trouver des solutions vraiment loin des caméras, quoi. Vraiment, tout à fait. Il y a un problème de leadership. Le leadership, ça existe toujours. Mais n'oubliez pas que dans le Guémot, là, il y a un autre dinosaure qui ne parle pas. C'est Toungara. Toungara qui est fondateur du RDR, qui est fondateur du RDR. C'est notre grand-père. C'est notre grand-père. Voilà. Donc il faut mettre tout bas la tête. On ne peut pas obtenir quelque chose de la force pour dire la région est autonome. Non. Chaque chose a une histoire. Pour que Djougoui soit chef lieu de région, il y a une histoire. Tout qui à fait. A négocié avec Ouattara pour que Djougoui soit chef lieu de région? Il y a une histoire. C'est ça. Quelle histoire? Grâce à qui Djougoui est devenu chef de région? Une région s'appelle aujourd'hui le Guémot. C'est qui? C'est Toungara. Il n'y a pas une autre personne, c'est Guémot Toungara. Tu sais, tout à fait. Il y a des gens aujourd'hui qui agissent, mais dans l'ombre. Dans l'ombre. Ils ne voient pas. On les appelle les hommes de réseau. Les hommes de réseau. Tout à fait. Quand Ouattara venait au pouvoir en 2010, Djougoui dépendait de Djiglo. Tout à fait. Djougoui faisait partie d'un. Cavalier. Oui, moi, Cavalier. Donc, Djougoui n'était pas un chef de région. On part d'ailleurs pas avec Djougoui, faire les documents. Mais c'est grâce à Adama Toungara qui a pesé de tout son poids pour que Djougoui soit une région autonome. Chef de région du Guémot. Guémot de la rivière qui traverse Djougoui. Tout à fait. C'est comme le zoo du côté du Cavalier. Exactement. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas obtenir tout sans passer par cette. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler sur les écrans ou sur les réseaux sociaux. Il y a les totems, on ne touche pas. Tout à fait. Moi, je pense que quand un étranger dort chez toi, déjà, on le dit, je c'est bien. C'est toi, moi, qui es le plus gâté. Tout à fait. Chez toi, c'est chez toi, il mange. C'est là, tout à fait. Donc, je pense.
pense que qu'est-ce que M. Adama Touré a pu demander aujourd'hui au premier puis a refusé? Rien. Ouais. C'est son tonton. Je pense que c'est autour de ces questions-là qu'on doit se rassembler. Et moi, je veux vraiment inviter les populations du Guémon, surtout les femmes du Guémon, les jeunes du Guémon. J'ai dit, mobilisez-vous. Quand j'ai été dans le Guémon, c'est la même chose, j'ai dit. Et je vais profiter même encore, mon frère, parce que les femmes de Bangolo, 67 associations de femmes de Bangolo qui m'ont invité à Bangolo, qu'est-ce qu'elles ont dit? Notre fille, fais tout. Fais tout. Parce que quand le président vient, qu'il va dans le Tonkpi, il saute le Guémon. Quand il va dans le Cavalier, il saute le Guémon. Quand le premier ministre va dans le Tonkpi, il saute le Guémon. Parle de nous. Faites tout pour que le premier ministre va s'arrêter un jour chez nous. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la joie qui m'anime, c'est-à-dire le soulagement de savoir que le premier ministre va s'arrêter dans le Guémon. Parce que ces femmes-là ont pleuré pour ça. Et je vais saluer ces femmes-là. À Dioukoué encore, les femmes et les jeunes de Dioukoué Carrefour ont pleuré pour ça. Il faut inviter nos élus-là à penser à l'intérêt général, à penser à toutes ces populations-là. Ils ont besoin de la visite. Ne serait-ce qu'une demi-journée du premier ministre, on a besoin de ça. On ne peut pas louper ça, là, on a besoin de ça. Vraiment, on a besoin de ça. En tout cas, mon frère, on garde le contact, on va se rappeler. Merci, merci. Merci beaucoup. Vraiment, je vous félicite pour beaucoup de courage. Merci, mon frère. Merci. 2020, 2010, pour les gens, non, non, non. On veut plus. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. En tout cas, voilà, mes chers princes et princesses, à vous tous, merci. Vous qui avez suivi ce direct live, merci à vous. Vous qui êtes restés connectés depuis le début de ce live, merci. Merci de relayer derrière, de partager derrière. C'est vrai, on aurait voulu continuer encore. Là, on a presque 2 heures de live. On aurait voulu continuer. Moussa Soumaoro, merci. J'ai vu ton message. Merci. J'écoute les larmes de joie. Mais je ne vais plus contrôler ce que se passe en moi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. J'ai vu le message de notre frère. Moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je lis. Il dit, Gouza, tu m'as donné envie de retourner au pays.